you're dead ass. Because I feel like I'm gonna be abandoned right now. And like, you're just like everyone else. You're trying to fucking leave me. And I just don't know leave what you. You made a decision and you got caught. You're leaving me. Decision to do what? Like, you linked somebody and you got caught. But it wasn't even that you went serious. Behind my back it wasn't that serious. Stop. Stop. He was a hooper. He played basketball. Yes. But it wasn't that serious. Like, y'all like actually. Yeah, but it was just a one-time thing and we used protection. It wasn't even for that long. So I don't even know why you're bugging. Like, it was not even for that long. Like, can you please come back to me? Please? Get off of me. Please come back. Like, stop. Just please. Like, you're overreacting. I'm not overreacting. I only did it because you didn't answer your fucking phone. Like, you never answer your phone and you're never there for me. You know what I'm doing. You're literally never there for me. What gym? What gym are you at? You know what, like, what gym opens that? Like, you're a fucking liar. You don't even care about me at all. How long was this going on for? Like, for a month, but it wasn't even that serious. Did you rebound from? Yeah, but yeah. Why are you asking me that? The traffic is high. Like, where are you going? You did not leave me. Non, mais attends. Elle a vraiment dit non, mais tu réagis de manière démesurée. On a utilisé un préservatif. Ça n'a pas été si long que ça. C'était un mois. Et en plus, tu répondais pas au téléphone. Non, mais c'est une blague ou pas? Bienvenue dans le nouveau monde. Ouais, mais voilà, il va falloir que tu t'habitues, hein. Donc elle, pour apaiser sa conscience, elle dit réponds pas au téléphone. Ouais, voilà. Donc en fait, en vérité, c'est sa faute. Ouais, c'est ça. Bon, avant d'aller plus loin, je te rappelle que t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, je te montre comment créer ton business en ligne étape par étape. Ok, avec l'intelligence artificielle. Donc, avant de créer un arnaque, regarde quand même. Ok, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. J'ai aidé des personnes à être indépendantes financièrement en ligne. T'as les témoignages sur la chaîne. Donc, profites-en, c'est gratuit. Hey, I like you. Yeah, I like you too. Do you want a date? No, ew, that's disgusting. I just want to do everything that people in a relationship would normally do, but I just want to stay friends. Okay, well, I'm gonna see other people then. What? I thought you liked me. I do, but you're not ready for a relationship, and I am. But I still want to do everything that people in a relationship do. What don't you understand? I just don't want a label. I don't like labels. Tu vois ma théorie sur le fait que les hommes sont plus romantiques que les femmes? J'ai l'impression que je suis pas loin de la vérité, hein? Donc là, si je comprends bien, elle propose un plan sans engagement. En gros, c'est que pour du sexe, quoi. Enfin, elle va dire non, ça n'a rien à voir, c'est juste, on fait tout comme une relation, mais on n'est pas en relation. À moins qu'elle cherche des gars à mettre dans la friendzone, mais je pense que quand elle dit on fait tout exactement la même chose que dans une relation, ça veut dire qu'il y a le sexe quand même. Donc pour un homme, dans sa tête, ça, il entend plan cul, hein. Voilà, qu'on soit clair. En gros, elle veut juste avoir du fun, parce qu'on est jeune, il faut s'amuser. Et après, à 30 ans, c'est bon, je suis prête, ça y est. Mais où sont les hommes? Où sont les bons hommes? Right, this is... Date number 3726. I'm out of breath, I'm late. By 2 minutes, it's okay. And look, we know how this is gonna go. I'll probably never see him again. This one is actually Irish, so let's see. So the date, he was lovely, tall, great chat, really decent. We had a kiss, and honestly, I was like expecting fireworks, nothing. And today one of my friends was like, how did you feel after it? I was like, I felt dead inside, the way that I feel after every date. My mom today was like, Aisling, this is you problem. I'm like, I'm well aware, Mary. I'm well aware that it's a me problem. It's not, go have one of these. I think she has trouble bonding with a partner because kisses and other shows of affection make women feel like they're getting a small dose of oxytocin. She may feel dead inside, but that's because she was put through too much. Ah, le fameux feu d'artifice, les papillons dans le ventre. Bon, moi, ma théorie, c'est que tu as connu tellement de gars que tu essaies de retrouver sous le prochain gars une sensation que tu as eue avec un gars, hein, le Tchad, qui n'a pas voulu avoir d'engagement avec toi, où tu t'es senti des papillons. Donc, alors, est-ce que réellement... pour une relation ou sous un premier baiser, il faut chercher à avoir des papillons dans le ventre. Je pose la question. Est-ce que nos parents ou nos arrière-grands-parents cherchaient des papillons dans le ventre sous le premier baiser? Est-ce qu'ils avaient de meilleurs résultats? Comme quoi, la liberté sexuelle, je ne suis pas sûr que c'était la solution. Hein. Alors, ça arrange les hommes, hein. Ça ne posera aucun problème. Hein.
en façade, ça arrange aussi les femmes. Mais les conséquences, c'est que bah, tu as du mal à créer des liens avec des hommes parce que tu en as connu tellement. Les relations ne durent plus bah, parce que tu as connu tellement d'hommes que bah, le même principe. Hein. Un en plus ou en moins, j'ai envie de te dire, voilà quoi. Et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vit une crise sans précédent sur le marché du dating? Qu'est-ce qui se passe? The rest of y'all, rest of them, right? Either they cheating currently, then cheated on their wives before, prior. Like, just gotta have a cheating history. How do you, like, keep up? Like, how are we gonna... Where's the hope? Where's the hope for mankind? Cause I'm not seeing it, okay? I'm not seeing it. I'm not, okay? You know, and then on these dating apps, right? Guys, explain to me, why do y'all like a page, right? Y'all get matched and then y'all don't say nothing. Do y'all expect the girl to say something and message you first? No, we match. You start the conversation, not me. Because I also just feel like at the same time, it's not rocket science. It's not rocket science, like, but y'all, it's the wild wild west. Like, what's the point? Like, y'all emotionally unavailable, y'all ghosting, y'all don't have y'all stuff together, y'all cheat. Like, where they at? Where the real ones at? And I'ma just, until he come, y'all, rest of y'all just leave me alone, okay? Bon, pour dire les termes, pour être réel avec toi, si le gars t'envoie pas de message, c'est qu'il est pas intéressé. Alors ça paraît basique comme ça qu'on le dit, mais même pour les hommes, hein, des fois ils disent, elle me répond pas, je lui ai envoyé un deuxième message, peut-être qu'elle a pas vu le message, donc je lui ai envoyé un troisième, peut-être qu'il y a un bug là où elle a, il y a pas internet peut-être, je lui ai envoyé 5 messages pour être sûr, voilà, à la suite, elle me répond toujours pas. Je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a. Peut-être qu'elle est bizarre. Hein. Voilà. Quand quelqu'un ne t'écrit pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. C'est aussi simple que ça. Surtout en plus, il y a des gars, ils swipent comme ça, attirent l'arigot, hein, et ils matchent avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de matcher. Ou sinon, c'est simplement qu'ils ont des meilleurs matchs. Et puis, comme toutes les femmes veulent le même homme, bah, le gars, il a plus de choix. Donc, forcément, tu te mets dans une situation où il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, tu vois. Peut-être que tu devrais lui écrire en premier. Peut-être qu'il va te ghoster. Bon, ben, bienvenue dans le monde. Hein. Les hommes, ils ont l'habitude. C'est le quotidien des hommes. Mais la vie est un risque. Hein? Mais peut-être que tu peux faire une différence en écrivant en premier. How you doing? Hey. You are gorgeous, by the way. Thank you. You look fine yourself. Thank you. All right, so I gotta ask. What's up? Ask me anything. Do you have a job? Yes. Making six figures? Yes. And do you live alone or with your parents? Live by myself. So you ain't got no roommates? No roommates or anything. Oh, okay, good. Because I can't be wasting my time with anyone less than a boss. Period. I hear you. I respect that. Definitely. What about you? You got a job? I mean, I just started my OnlyFans, so it's about to be up. It's getting there. Okay. Well, do you live with your parents? I mean, I live with a couple friends, but, like, I'm about to be up. So it's getting there. Okay. Well, how's your credit, at least? Because how you going to get you on the spot? You got good credit? My dad about to help me with that, but, like, it's getting there. Okay. What happened? You're getting out. Excuse me? You're getting out. You talking about all this value stuff and you can't even value yourself, man. I'm looking at everything. The heck? Bon, là, c'est un sketch. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, une femme qui a des standards, c'est bien. Oui, t'as raison. Bah oui, attends. Heureusement que tu sais ce que tu veux. Ça, c'est bien. Par contre, t'as d'autres qui a des standards grossophobes, misogynes, antisémites, racisme, tout. Il est tout. Tablophobe, tout. Mais elles veulent toutes le 10%, les 1%. Et c'est intéressant parce que j'avais vu une vidéo où une femme justement qui date ou qui a daté ou qui a des copines qui a daté ce qu'elles appellent les high value men. Hein, et elle disait, toutes les femmes veulent le high value men. Mais ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que quand tu es avec ce genre de gars, ben le gars il est beaucoup plus exigeant. Crois pas que tu vas prendre du poids, crois pas que tu vas pas aller à la salle de sport. Il va te faire prendre tes responsabilités. Il va s'attendre à ce que tu fasses quand même quelque chose de ta vie. Hein, que tu aies une passion, que tu essaies d'exceller, que tu fasses quelque chose quand même. Tu ne peux pas rester juste là. Et elle disait que beaucoup veulent un high value man, mais ne seraient pas capables d'en avoir un parce qu'elle ne pourrait pas gérer la pression. Ah bah oui. Tu demandes à un gars, parce que tous les standards que tu demandes pour ce gars-là, ça veut dire que ce gars-là est super exigeant avec lui-même pour pouvoir atteindre ce niveau.
Donc forcément, un gars qui est exigeant avec lui-même va être exigeant avec les personnes qui sont autour de lui. Et forcément, alors sa compagne, c'est une évidence. Crush on this guy in one of my classes. When I say a huge crush, I mean like I'm pining after this dude for months, for the entire semester. I am staring at the back of this dude's head thinking, that's my husband. Too shy and I have negative riz to just go up and start talking to him, right? I just decided, you know what? I'm gonna write my number on a sticky note and just give it to him. And then my professor gets sick. Now, my professor was sick for like a solid month because we left for Thanksgiving break and then we didn't come back to that class until the day of our final exam. I have an entire month of not seeing this guy because we don't have class. And you know what they say, distance makes the heart grow fonder. That is very true. Sitting, waiting to take the final exam, I'm sitting like in the lobby of the building on the couch and the guy comes and sits right in front of me, right in front of me. And I'm like, oh my God, this is my moment. This is my time. This is my Super Bowl. Like, this is what I've been waiting 4 months for. I write my number on the sticky note. He gets up to leave and I give him the sticky note. So I hand him the sticky note. He opens it. He laughs and he's like, okay, I just won the fucking lottery. I have reached the promised land. So we go in, we take the exam. He finishes the exam before me. I get out of the exam, I see a text from him, I'm overjoyed, we start talking, haha and kicking. The vibes are good, the vibes are good. Mind you, this was the days of mask mandates and having to wear a mask to class, so he couldn't really see what I looked like because he never really paid attention to me and I was wearing a mask. I knew what he looked like because I fucking stalked him on Instagram. But after like a day or two, he's like, hey, I never really got a good look at you, like send me a picture. And I'm like, cool. I send him a photo. He stops fucking responding. When I tell you, I've never wanted to yeet myself off the top of a building more. I was mortified. I was embarrassed. I was ashamed. I literally have never felt embarrassment like that in my entire life. Especially because I was like, yes, I've made it. Like, I pulled my crush. I was so fucking excited. Dude thought I was ugly. So anytime you ever feel bad about your dating life, don't. Because nothing is more embarrassing than that. Non, je pense qu'en ce temps-là, il devait sûrement avoir des masques. Le gars n'avait pas vu. Il a vu juste les yeux comme ça. Il a dit, bon, ça va. On dirait, ça va, ça va. Quoi, il a vu la photo. Non, non, ça va pas. Non, ça va pas aller. Et ça me rappelle une histoire, t'as dit, story time. J'avais matché avec une demoiselle, hein, et, mais je voyais bien que j'avais, sur les photos, il y a beaucoup de filtres. Je comprends pas bien, le corps ça a l'air d'aller, mais je vois beaucoup de filtres, je comprends pas. Je dis, viens, on fait un appel vidéo. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais un appel vidéo. Un visiophone? Visio? Bon, t'as compris. Un appel vidéo. Ouais, non, tout ça, on se connaît pas encore, donc du coup on peut pas faire d'appel vidéo. Il y a deux fois qu'on m'a dit ça. On se connaît pas encore pour faire un appel vidéo. Quoi? Mais justement, c'est parce qu'on se connaît pas qu'on fait un appel vidéo. Bref, n'essaie pas de trouver la logique. Et donc du coup, elle me dit, non, tu me verras en vrai, etc. J'ai dit, écoute, moi, je préfère qu'on fasse un appel vidéo. Non, 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 tu me verras sur place, hein, etc. Je dis, bon, vas-y, je fais le test, j'arrive, je la vois, et c'était pas ce que t'es... Non, tu vois. J'aurais fait l'appel vidéo, j'aurais dit, non, on va pas se voir, j'aurais arrêté de répondre, tu vois. Et là, elle était là, machin. J'ai dit non, mais c'est comme si tu essaies de me piéger. Bah, ce que j'ai fait, c'est que, gars, on a commencé à rentrer pour pouvoir manger quelque chose. Gars, j'ai dit non, j'ai dit écoute, ça va pas fonctionner. Il m'a dit, bah, on a même pas parlé encore. J'ai dit, non, ça va pas fonctionner. Je suis désolé. Et après, gars, je suis parti, gars. Tout simplement. J'ai payé quand même le Uber. J'ai dit non, non, t'inquiète. Mais, gars, pourquoi tu fais ça? Pourquoi les filles font ça? Alors, on m'a dit, oui, t'es méchant. Bah, enfin. Non, j'ai pas envie quoi. En plus, j'ai prévenu. Donc les filles, arrêtez avec les filtres, etc. Parce qu'à un moment donné, on va vous voir. Pourquoi tu fais ça? Genre comme si on va... C'est comme si tu essaies de piéger quoi. Tu mets des filtres, tu mets des trucs comme ça, on est déjà là et puis on n'a plus le choix, on est là quoi. Mais enfin... Et genre peut-être que le gars, il va voir... Non, si jamais t'es bien sans filtre, il sait qui tu es. Au moins, voilà, sur place, on sait qui tu es. Tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Donc bref, c'était la petite story time. Donc dis-moi bien ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.
Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million d'eux de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.